grand monde, on est une dizaine, il n'y a plus personne. Hein. Mm. Et pour rouler. Il y en a des souvenirs, c'est sûr. Hein. En 80 ans, hein, bon. Parce que des sangs sur Cocorol, il n'y en a plus depuis avant la guerre. Non. Mais il y avait un docteur. Un docteur qui a couché. C'est pas comme aujourd'hui, on n'allait pas. Et à l'époque, les gens, ils accouchaient chez eux. Hein, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ils étaient obligés d'aller dans des centres, des machines, de tout suivi. À l'époque, c'est pas comme ça. Raymond, il est né ici aussi. Hein? Raymond, il est né ici. Non, après la guerre, c'était fini. Avant la guerre, c'était. Il y a quelques-uns qui sont nés ici. Oui, il y avait. Mais après le docteur, il y a eu la guerre, le docteur Lair, il est parti. Et puis après, ça a été de l'autre côté. À part un ou deux, c'est l'exception, quoi. Tous les vieux étaient mélangés avec les minots qui couraient partout. Et oh, mais ça va, les minots, oh, ça va, oh! Rémi, putain de serre, allez, oh! Tu vois, les mecs arrivaient. Ça grouillait de vie. Il y avait ce feu de cheminée. Et il y avait cette. C'était juste dingue, toutes les générations confondues. Il y avait des lotos. Bingo, 44, 72, 51, serre-nous, ouais! Bah, Porquerolles. Moi, c'est comme ça, je suis arrivé en plein hiver, tu tombes là-dedans et quand tu vois le père Sanchez, putain, ce personnage comme ça, oh, qu'est-ce qu'il y a, oh! Il y avait, mais c'est capitaine touriste, qu'est-ce qu'il y a, enfin, il y avait des personnages, il y avait, comment il s'appelait, ah oh, putain, l'ancien légionnaire, ah, c'était un gros, il parlait comme ça. Enfin, il y a eu des personnages, t'en veux, en veux-tu, en voilà. Ben, il y en aura d'autres. Ben, les histoires, par exemple, de la Sainte-Anne, où tous les pêcheurs de la rade d'hier se retrouvaient pour faire une bouillabaisse monumentale, pour jouer au boule sur la place. Il y avait une espèce de fraternité le jour de la Sainte-Anne entre les Orbanais, les Salinois. Hier n'existait pas, le port d'hier n'existait pas à l'époque. C'était le port de Salins et les Orbanais. Donc on se retrouvait tous à la Sainte-Anne. Ça, c'est des grands souvenirs. Des souvenirs aussi sur la plage du Près des Palmiers où on faisait les prairies et les coquillages. Mais il n'y a pas de nostalgie, là. C'est... Voilà. Là, le soir, quand les gens sortaient, même ma chaîne a fait un bouquin de Robert Giglion dessus, aussi. Et il y avait une animation qui n'existe plus. Il y avait tout un tas de choses à la ferme. Il y avait les ouvriers qui rentraient, il y avait la cloche qui sonnait, il y avait. Et tout ça, c'est fini, c'est cuit. Bon. La seule chose qui me console un petit peu, c'est que, par exemple, tu vois, c'est là, on est sur le quai des pêcheurs, où il reste encore 5-6 pêcheurs sur Porquerolles qui travaillent d'une manière traditionnelle, en plein fief d'un cœur de parc, quoi, ce qui n'est pas évident. Mais ils sont là encore, les résistants. On est là pour garder, entre guillemets, cet esprit insulaire qui effectivement disparaît petit à petit. En tout cas, c'est vrai que maintenant, je me rends compte que je passe du côté vieux con, entre guillemets. C'est-à-dire que je passe du côté, maintenant je me rends compte vraiment de plus en plus du passé. Ce qui ne veut pas dire que c'était mieux avant, hein. On est bien d'accord. Je ne suis pas passéiste, mais moi... C'est comme ça que j'ai aimé Porquerolles et c'est comme ça que quand je vais mourir, j'aurai ce souvenir-là. Quoi. Et je suis bien content de ça parce que je n'ai pas envie de changer. C'est-à-dire que je me rends compte que j'ai envie de garder moi cette liberté, ce qu'était Porquerolles et je veux, si je dois canner, ben, voilà, je veux juste partir avec des belles choses. Et puis voilà, donc voilà, si tu continueras à regarder, tu me diras, hein, quand je ne serai plus là, tu me diras, tiens. Je crois que le plus beau souvenir j'ai de toi, mais de Gérard et de tout le monde, c'est... Quand j'étais petite, il y avait toujours un jour, je ne sais pas dire c'était lequel ou même pourquoi, on avait à l'apéro les hommes, les porcorollais qui s'habillaient tout en blanc et qui jouaient à la pétanque sur la place du village. À la longue. C'est Gérard qui avait lancé et ça. Ce qui était magnifique, parce que moi je le voyais avec des enfants, c'est d'un coup déjà avec les couleurs qu'il y a ici et tout, avoir c'était des gens habillés. Que tout en blanc, quoi. Il y avait des anges sur la place du village qui jouaient à la Londres en parlant fort et en buvant
en buvant c'est vrai qu'elle est pas mais ouais il y a pas c'est ça c'est et ça c'était mes c'était mes gardiens ouais monsieur Genta c'était le village d'Astérix voilà ouais, c'était ça village d'Astérix. On est content, quand il pleut, tant mieux, et si jamais il fait beau, pas de problème.